Donc, je suis Muriel Hermine, je suis championne du monde de natation synchronisée. Donc, j'ai eu, je dirais, je suis aujourd'hui à ma quatrième vie dans cette vie-ci. La première était une vie de compétitrice dans la discipline de la natation synchronisée. Je suis allée jusqu'aux Jeux Olympiques auxquels j'ai participé 2 fois. Et puis, à 25 ans, j'ai arrêté ma carrière pour créer des grands spectacles aquatiques. Et mon objectif à ce moment-là était de non pas d'emmener le public dans une piscine découvrir des spectacles, mais d'apporter l'élément aquatique au monde du spectacle vivant. Et donc d'ouvrir une niche en quelque sorte qui n'avait jusque-là jamais été exploitée. Mon premier spectacle s'appelait Cirella. On a fait 800 000 spectateurs en France et au Japon. Ensuite, le deuxième s'appelait Crescendo. C'était la rencontre du monde de l'eau et de l'univers du cirque. On a fait plus de 2 millions de spectateurs, puisque Disney a installé le spectacle dans le village de Disneyland Paris. C'était la première fois que Disney ouvrait son antre à un produit qui n'était pas un produit Disney. Donc c'était pour moi une très jolie réussite. Et le troisième spectacle s'appelait Freedom. Je l'ai lancé dans la maison des esclaves sur l'île de Gorée au Sénégal. Et là, j'ai découvert une autre réalité. Très loin mon monde de performeuse, très loin de mon monde de businesswoman, mais un monde d'humanité qui est allé me chercher vraiment très, très en profondeur. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une partie de moi que je ne connaissais pas, qui était finalement la femme. Et j'ai monté une ONG au Sénégal, qui existe toujours, que je dirige depuis 15 ans. Et finalement, en accompagnant les populations du Sénégal, j'ai été amenée à rencontrer eh bien, les enfants issus de l'immigration qui vivent là, derrière notre porte à Paris. Et je me suis rendu compte que finalement, la souffrance, les difficultés qui me bouleversaient à l'autre bout du monde, elles étaient là, juste derrière chez nous. Et du coup, j'ai changé mon fusil d'épaule et j'ai axé beaucoup des programmes de J'ai un rêve, cette association, sur l'accompagnement de jeunes déscolarisés qui sont sur le chemin de l'emploi, sans qualification, sans formation. Et je dirais que de mes 3 vies jusque-là, c'est vraiment celle-ci qui a été la plus fabuleuse, quoi, la plus riche, la plus révélatrice. Et de ce qui m'animait profondément et en même temps qui a donné du sens à ma vie.